Coucou à toutes, aujourd'hui je vous reviens pour une revue sur, parce que j'avais commandé la spéciale Glossy Box avec le coffret Clarins, donc sur la Glossy Box et le coffret Clarins. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas été, que j'avais été désabonnée à des box, donc ça faisait très longtemps que j'avais pas reçu des box. Là, j'ai vu qu'il y avait une offre avec les deux box Clarins et Glossy Box à 27,50€. Et la Clarins m'intéressait beaucoup. Je voulais voir les produits qu'il y avait dedans. En fin de compte, je suis déçue par la Glossy Box encore une fois. Enfin, ouais, en même temps, peut-être que je suis trop exigeante. Bon, je vais vous montrer les produits dessus. Donc, la Glossy Box se présente comme ceci. Donc là, c'est un petit papier en disant que l'automne est arrivé, blablabla. Donc, on ouvre. Dessus. Donc, vous avez les produits comme ceci. Donc, dedans. Donc là, c'est le descriptif des produits qu'il y a. Donc, je vous dis ça. Il y a ceci. Donc, ça fait combien de millilitres? Tiens, on va l'ouvrir. Je n'ai pas ouvert les produits. Donc, ça fait 15 millilitres. Et c'est kératine pour les cheveux, redonne la douceur et la brillance aux cheveux grâce aux nutriments essentiels de protéines. Protège les cheveux contre les dommages de la chaleur. Voilà, donc c'est un petit flacon de 15 ml. Voilà, donc produit pour les cheveux. Bon, je n'ai pas forcément besoin. C'est parce que je recherche plus le maquillage. Mais vous le savez déjà. Ensuite, donc on va venir sur le produit intéressant. Le Jelly Pong Pong. Qui est un stylo baume à lèvres comme ça, donc j'ai vraiment pas ouvert, il est encore dans son packaging. Donc baume à lèvres hydratant teinté réconfortera les lèvres desséchées tout en apportant une petite touche colorée pour illuminer votre maquillage. Je vais vous le swatcher. Ouais, la couleur est jolie. Voilà, donc ouais, la couleur est jolie. C'est vrai qu'il est très très pratique, très facile. Il glisse bien sur la peau. Donc voilà le produit intéressant de la box. Pour moi, bien sûr. Ensuite, une crème hydratante Naobe qui fait 30 ml. Donc ça, ok. Ça va, le format est sympa. Crème hydratante oxygénante. S'adapte à toutes les type de peau pour oxygéner, régénérer et apporter un maximum de confort et d'hydratation. Donc bon, j'en ai des crèmes hydratantes, mais bon, on va tester celle-ci. C'est ce que je vous dis. Payo Special Ride, soin lissant complexe dermoactivateur, 15 ml. Donc une crème, on a beaucoup de crèmes, de produits comme ça dans les box. J'en veux une qu'avec du maquillage, c'est possible. Je sais pas. Et ensuite, Omniscience. Donc, un gel cheveux et corps de 30 ml. Comme ceci. Donc, il nous marque. C'est du thé blanc. Là, c'est un shampoing. Un shampoing soin tonique et fruité pour la pureté et l'éclat des cheveux. Donc, là, oui, encore un shampoing. Bon, ça nous fera quoi? Bon, je sais pas combien d'utilisation j'aurai, mais 30 ml. Bon, à voir, je testerai. Corps et cheveux, d'ailleurs, ça fait les deux. Et dernier petite chose. Oui, utile, oui, mais j'en avais déjà une dans mon sac. Une petite brosse Glossy Box. Une brosse de sac. Hein. Mini brosse à cheveux. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Donc voilà la petite brosse avec
Le miroir. Donc, ouais, basique, une brosse à cheveux. Putain. Que bien sûr, je n'ai pas réussi. Ah, si, voilà. À refermer. Voilà. Donc, voilà, bon, mais. Enfin, voilà. En gros, pour moi, seul produit bien, celui-ci. Le Jelly Pong Pong, le baume à lèvres. Après, il y a deux produits cheveux et deux crèmes visage. Bon. Passons à la box, Clarence. Après, je suis sûre qu'il y en a qui ça va plaire. Hein. Et aucun souci, je dis mon avis. La Glossy Box Clarence. Donc, à l'intérieur, pareil que pour l'autre, toujours petit nœud, petite fiche avec les produits qu'il y a à l'intérieur. Donc, chez Clarins, un peu plus intéressant. Alors, en premier lieu, nous avons un perfecteur de teint. Donc, en teinte médium de 8 ml. Donc, ils nous disent envie d'une jolie peau, tout simplement. Bébé Skin Perfecting Cream unifie, revitalise et protège pour offrir une jolie peau et un teint parfait en un seul geste. Magnifique. Bon, à tester parce que je connais pas du tout ce produit. Donc, bah, je testerai. Teinte médium, faites voir. On va regarder ça ensemble. Super, le produit est cool, il s'arrête plus. Génial. Comment dire que c'est un petit peu foncé pour moi. On le voit gavé sur ma peau, c'est hyper foncé. Là, voilà. Teinte médium, super. À moins que en l'estompant vraiment beaucoup, en le fondant énormément sur ma peau, ça passe peut-être. J'essaierai, je vous dirai ça. Donc, premier produit, celui-ci. Ensuite, pour changer, une crème, mais bon, c'est clair, hein, c'est pas... La Multi-Active Jour Crème Lissante Rides Précoces. Qui est en format 15 ml. Toute peau, appliquée le matin. Ok, produit d'essai, ouais, ça c'est clair. Crème anti-ride, éteint du visage à la formule parfaite, neutraliser les méfaits de la fatigue, pollution, stress et des UV. À utiliser chaque matin. Ok. Donc je sais pas, en sachant que j'ai déjà ma crème de jour, je sais pas quand est-ce que je les testerai. Bon, c'est des petits formats donc j'essaie de les tester rapidement pour savoir si c'est des bons produits ou pas. Mais bon, Clarins, quand même, pas exagérer, c'est des bons produits. Bon rapport qualité-prix surtout. Claire, lift fermeté, les fondants régénérant jeunesse du corps. En format 30 ml. Et il nous marque, s'applique sur tout le corps en remontant des chevilles vers le décolleté. Insister sur les zones sujettes au relâchement. Et là, ouais, c'est pour refermer la peau en fait. Ben, je testerai aussi. Ça me servira celui-là. Ensuite, que celui-ci, je ne connais pas, mais j'ai testé la gamme. Le doux nettoyant gommant express à la sève d'orange. Donc ces produits-là, cette gamme-là de Clarins, j'adore. J'avais le doux, le démaquillant de cette gamme. Et il sent super bon. Et le doux nettoyant gommant, donc je ne connais pas. C'est un gommage. Donc il nous marque, tac tac tac. Ouais, démaquillé, désincrusté, impureté, cellules mortes en un seul geste. En gros, c'est un gommage qui démaquille et qui gomme. Faire mousser sur le visage humide, gommer. Ouais, c'est bon. Donc ça, je connais. Enfin, gommage, je connais le système. Ensuite, un petit crayon noir. Boum, boum, boum. Voilà. En taille miniature. Oups là, il va tomber. Donc, le black. Qui est, ouais, qui est bien black. Exactement. Un crayon noir, donc
Bon, je connais pas celui de Clarins, mais j'en ai déjà pas mal. Bon, je testerai, voir s'ils sont bien. Mais il n'est pas trop gras, mais il marque bien. Donc, Et enfin, le dernier produit que je pensais super intéressant, mais en fait, c'est petit quand même. La palette de maquillage. Ça, c'est trop cool. Dedans, il y a deux monocouleurs et un blush prodige, le Rosewood. Je vous montre ça de suite. La vidéo sera encore longue. C'est ma spécialité. Si j'arrive à le sortir. Ouais, ça y est. Donc, elle est comme ceci. Bon, excusez-moi du reflet. Et comme ceci, pareil. Et quand on l'ouvre, je vais tenir le petit truc. Voilà, donc celui-ci-là, c'est le blush. Et les deux autres couleurs, c'est des fards. Donc il y a le petit tambour là que je n'utiliserai pas, comme d'habitude. Je vais vous swatcher les couleurs. Bon, c'est vraiment des petits. Après, c'est vrai que c'est une palette bien à avoir dans le sac en fait. Vous avez deux couleurs pour les yeux si vous voulez mettre deux couleurs. Et un blush. Donc après, il faut juste. Pour le blush, enfin, faut bien changer de pinceau. Donc il faut quand même avoir un pinceau dans son sac. Bon, le blush, on ne le voit pas trop. Donc en fait, là, vous avez. Ici, donc on la voit pas super bien. C'est vraiment un écru hyper irisé. On voit les paillettes là, donc c'est la première couleur. Là, c'est la deuxième la plus foncée. Et ici, là, c'est le blush. Oh, on a du mal à voir quand même. Voilà. Donc, ces trois petites couleurs. Donc, ouais, ça servira pour un maquillage rapide à mettre dans le sac, quoi. Voilà, les deux box sont ouvertes. Ah non! Oh, j'ai oublié un truc super important. Dans la box Clarins, vous avez une pochette aimantée, là. Blanche, donc. Hop. Pas aimantée, c'est un petit aimant, mais il y a quand même un aimant. Et dedans, en fait, ils ont mis toutes les notices des produits qu'il y a dans la box. Donc, ça, c'est super cool, je trouve. Comme ça, on a quand même les notices. Et puis voilà, elle est comme ça à l'intérieur. Basique. Mais elle est jolie. Avec l'écrit là, Clarins. Voilà. Donc la Clarins, encore, franchement, je suis contente. La Glossy Box, je pense que c'est pour ça en fait, que j'avais arrêté. Pff, que des crèmes, des produits pour les cheveux. Voilà. Bah, le problème, c'est que c'est pas ça qui m'intéresse. J'aimerais plus de maquillage. Je suis chiante en même temps, c'est normal. Bon, allez, les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous abonnez ou que vous soyez déjà abonné à Glossybox ou non. Je vous donne mon avis, moi, c'est mon simple avis, encore une fois. Je vous fais des bisous, à très bientôt parce que le make-up en fait que j'ai sur moi, bon, je l'ai fait ce matin à 8h, il est 10h moins le quart. C'est bien sûr avec la palette Midnight Glow. The Makeup Forever. Donc, c'est dans les teintes violet, là. Je sais pas si on voit super bien. Si jamais ça vous intéresse, ce tuto-là, je vous le ferai. Bien sûr. Je vais mettre en ligne le précédent tuto. Et voilà. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous.